pas qu'ils sont contents de ce fait-là et on l'a pu le voir tout de suite lorsque Thomas Dacier est rapidement parti chercher le ballon pour les Mois avec tous les espoirs. Yeah.
Voilà, le bon renversement de côté. Alors, il essaie de frapper tout seul, c'est contré. Voilà, il revient encore dans les pieds de Taduro et tiré. Il va centrer, arrête terre, et personne pour reprendre si c'est de la défense. Et justement, les Mohamedou, n'est-ce pas, qui vont se relancer. Il n'y a pas de faute. Ça, c'est favorable. Il est davantage en Italie. Bon, c'est bien joué. C'est très, très bien joué. La belle combinaison sur le côté gauche. Maintenant, le centre. Là, très bien repoussé par la défense togolaise. Voilà, contré par Thomas Dakli. Maintenant, on peut suivre le contre-attaque pour le Togo avec Bruno Arbondor. Qui revient sur Martin Akomefa. Qui fait tourner la tête. À cet entrejeu mauritanien, c'est le maître à jeu de cette équipe. C'est le partenaire fixe des épaviers de sport, Martin Akomefa. Oui, il faut dire que ce Martin a un jeu qui ressemble beaucoup à certains Karim German. On espère qu'il va continuer sur cette lancée. Et la sortie de Martin Akomefa, c'est quand même surprenant de le voir sortir. Un choix très, 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 en tout cas, surprenant de Asifou Traoré de sortir celui qui semble le plus dans le genre, le mieux placé dans cette équipe. En tout cas, il va céder sa place à Kevin Beaumont. Eh bien, à moins qu'il soit touché sur sa sortie, sinon, ce serait difficile à comprendre ce remplacement. On espère pour Asifou Traoré qui ne va pas regretter cette décision.
c'est pas forcément le bon sens. Attention, il a été repris derrière. Et la belle parade de Mohamed El Mokhtar qui se couche rapidement, qui se plonge, qui se détend au sol pour sortir ce ballon en corner. Ce sont 80e minute de jeu. La team de la fait désormais. Corner exécuté à deux. La fenêtre de passe est refermée, même s'ils vont se retrouver dans un trou de souris. Et Mtaïlou Origine qui va bénéficier d'un coup franc. François Togolais qui sera averti lui aussi à son tour par l'arbitre. C'est un vilain jeu. On casse ce prêtre les éperviers. Du Sendrak qui va chercher loin devant. Il n'y a pas de faute. La déviation de Kevin là-bas de la tête. Il essaie de trouver Bruno Amatori. Vous allez trouver justement. Maintenant, Thomas Jacquely. C'est ici que le talent de Barthé à Gomepa aurait fait la différence. Dans ce petit espace-là. Même si là, Thomas Jacquely a failli passer. Et il va réussir à sortir ce ballon. Le tout c'est bien joué en profondeur. Et il y a coup franc pour les éperviers d'espoir. Très bien vu par l'arbitre. Alors que deux nouveaux changements arrivent pour la Mauritanie. Sortie. J'ai pas bien vu le numéro, mais. Qu'est-ce qui est rentré, il me semble, c'est Ousmane Ndiaye. Qu'elle peut reprendre, mais en attendant, on va procéder au quatrième changement pour la Mauritanie. On fait un jeu de Mohamed Diop. C'est plutôt Suleiman Camara qui va faire son
Le cochon a mené pour les éperviers ce soir. Donc s'il plaît de la bite. Non, très mal frappé. Bon, on va bénéficier de ce coup de pied arrêté. Les éperviers ce soir, ils sont loin d'être à l'arrêt lorsqu'on voit les dernières minutes avec une Mauritanie remontée, touchée dans son orgueil et déterminée à aller chercher ce but de l'égalisation. On sent clairement que le Togo a perdu de la créativité, de la maîtrise dans l'entrejeu depuis la sortie de Martin Agbemefa. C'est une décision qu'on a du mal à comprendre. Un coup de sifflet, position régulière pour les Mois Bitoun. J'ai quand même moi des hâtes lors de la conférence d'après-match d'écouter les raisons pour lesquelles le coach a sorti ce joueur. Sinon, sans blessure, sans la demande du joueur lui-même de sortir, parce que le Togo a clairement perdu sa créativité, le milieu de terrain, le tout de comme leur fille était là, puisqu'il était le joueur là qui aérait le jeu. Bon, justement, on ne va pas le regretter. C'est justement Martin Agbemefa qui fluidifiait le jeu des éperviers espoirs. Ce n'est plus là, les clés sont désormais données à Thomas Diakhlé. Pour frapper par vous allez le retirer. Pas de faute. Attention. C'est vrai, ce sera un coup franc sur le centre Kevin là-bas. Il a été regardé par son staff, sinon il peut être expulsé de la surface technique. Justement, seulement 4 petites minutes avant la fin du temps réglementaire. Et le Togo, s'il veut jouer le second tour des éliminatoires de la CAN 23, devra conserver son score, sinon marquer un troisième pour se mettre à l'abri. Encore un coup franc, pas bien négocié. Benoît Boton qui a essayé de partir tout seul en table, il va bénéficier de rentrer de touche. J'aimerais du tout ce soir, contre favorable pour les éperviers. Il n'y a pas de hors-jeu. Benoît Retor qui fait patte. Partir seul sur le couloir droit. Il a glissé dans un premier temps. Le milieu de terrain togolais. Et voilà, il y a de l'espace en profondeur. On ne voit pas pourquoi il vient toujours avec les tireurs. Oh, c'est très jeu. Se contre. Seul au deuxième poteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Frappe derrière. Contre favorable encore. Deuxième frappe. Directement sur le gardien. Et c'est le moment maintenant de replier pour les tâches défensives.
visiblement pas content, Josué Doké de sortir, n'est pas content, même à 3 minutes du terme. Alors dans ce cas, Régis, que dira Martin Agrippa qui est sorti à 15 minutes de la fin? C'est de la joie, c'est de l'envie de jouer les 90 minutes. Il se sent encore frais physiquement. En ce moment, mais l'entraîneur fait toute notre analyse. Tout d'espoir, mais le ballon va finalement sortir. Ce sera 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes pour que la Mauritanie revienne au score et arrache éventuellement la chaîne des tirs au but. Et 3 minutes pour le Togo à tenir. Il y aura prolongation. Justement. Au niveau de la frappe, le but marqué à l'extérieur contre. Donc, si la Mauritanie marque, c'est elle qui passe. Et justement, merci de rectifier. Voilà, c'est pour ça le Togo doit aller rechercher ce but. Il va partir tout seul et il va se heurter au gardien. Deuxième tentative. Allons encore repousser. Ça va sortir cette fois-ci. C'est bien tenté de la part du joueur. C'est Bruno Avantor qui est parti tout seul dans les dribbles de chaloupé. Et l'action, en tout cas une action chaude. Ça va finir dans les gants de Romaric de Grèze, tranquillement. Dégagé. Dégagement de Romaric de Grèze, directement sur Kevin là-bas. Bruno Avantor, cette fois-ci, il va encore partir sur le couloir droit. Bruno Avantor. Cette fois-ci, il va se perdre. Il a fait un match correct. Régis, vous qui êtes arbitre, comment trouvez-vous sa présence? Non, il est dans son match. Pour le moment, il contrôle la partie. Rien à dire. Non, pas pour le moment, parce que le match est quasiment terminé. Il a réussi son match. En tout cas, à la toute dernière seconde, on ne sait pas ce qu'il a. C'est incroyable, c'est le dernier espoir. En tout cas, le temps additionnel est déjà terminé. Mais avec. Perdu par Romaric de Grèze, le gardien de Toulouse, par contre, on a dépassé ces 3 minutes. Et surtout qu'il y a un coup de pont pour le Togo. Peut-être la dernière.